Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. On se retrouve pour le cinquième épisode de cette série, Les Fourmis. Donc vous auriez dû sûrement le voir dans le titre. On va parler de la division du travail chez les fourmis, comment les fourmis se répartissent les tâches entre les ouvrières, voilà. On va voir cela juste après le générique. Mais avant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater. A tout à l'heure. Commençons. Déjà, avant toute chose, je vais vous dire, je ne vais pas parler des tâches qu'accomplissent le mâle et la reine, car nous savons tous que le mâle féconde la reine et que la reine s'occupe de pondre les œufs des fourmis de la colonie. Alors, avant toute chose, je veux aussi casser un cliché, la reine ne donne aucun ordre aux fourmis. Certes, elle émet des phéromones qui sont attractives pour les ouvrières, des phéromones qui les empêchent de pouvoir pondre, mais la reine, à part ça, n'est reine que parce qu'elle est la seule fourmi qui pond dans la colonie, en vérité. Maintenant, parlons de la répartition des tâches au niveau des ouvrières. Chez les ouvrières, il existe deux grands critères qui vont répartir leur travail. Le premier critère, c'est le critère de la taille, et le deuxième, c'est le critère de l'âge. Alors, revenons sur le critère de la taille. Il faut en effet savoir que toutes les fourmis n'ont pas... Chez toutes les espèces, il n'y a pas des différences de taille entre les fourmis. C'est ce qu'on appelle le morphisme. Il y a les espèces monomorphes, comme la Lasius niger, où tous les individus font la même taille, les fourmis, il y a une différence de taille. Voilà, le fort polymorphisme. Dans le fort polymorphisme, les fourmis ont une très grande diversité de taille, par exemple, comme la Messor barbarus. Il y a une espèce qui est un peu au milieu. Il y a une famille d'espèces qui est au milieu, comme la Phaedol palidula, où il n'y a que deux castes, les soldats et les ouvrières, et il n'y a pas grand chose entre les deux. Alors, la taille, ça va avoir d'intérêt sur le travail que chez les fourmis, bien sûr, qui ont des différences de taille. Hein. Sachant que les fourmis soldats, entre parenthèses, soldates vont être chargés du combat, bien sûr, mais aussi chez les fourmis moissonneuses comme les Messor barbarus, de casser les graines. Elles se chargent peu de s'occuper du couvain. C'est plus les petites fourmis qui s'occupent de soigner le couvain. Les grosses, voilà, elles s'occupent de la nourriture et de la défense. Les petites faisant des travaux plus. Elles aident leurs camarades à récolter la nourriture et elles s'occupent du couvain. Voilà. Et maintenant, passons aux critères de l'âge. Alors, les fourmis qui sont plus jeunes vont faire des travaux plus faciles à l'intérieur du nid pour les travaux les moins risqués. Soigner le couvain, s'occuper de la nourriture qui vient de rentrer, la ranger, creuser des galeries. Et c'est les fourmis les plus vieilles qui vont sortir à l'extérieur du nid, se risquer, pour récupérer à manger, sachant qu'une fourmi qui est chargée de récupérer la nourriture a une espérance de vie de seulement 2 semaines, ce qui est très court à cause de tous les risques de prédateurs qui rôdent à l'extérieur. Sinon, malgré toute cette répartition, les scientifiques ont quand même pu observer que voilà, s'il manque un groupe de fourmis, un caste spécial pour accomplir une tâche, d'autres fourmis viendront les remplacer. Une fourmi n'est pas spécialisée dans un travail. Contrairement aux abeilles où, au fur et à mesure de son âge, elle va changer de travail et uniquement faire ce travail, les fourmis vont plus facilement changer de boulot si elle a besoin d'aide. Une expérience a été faite sur les Phaedol palidula. La colonie s'adapte aussi à ce qui lui manque. Parce qu'une expérience a été faite, il prenait 2 colonies de Phaedol palidula qu'il reliait avec un tube, bien sûr, au milieu avec du coton, pour pas qu'elles se battent. Bien sûr, elles détectaient les phéromones de l'autre colonie.
Dans chaque colonie, elles avaient enlevé toutes les soldats et les ouvrières avaient détecté la présence d'une autre colonie, mais ils n'avaient pas de soldats. Alors, on a observé que rapidement, le nombre de soldats augmentait, alors que l'expérience a été faite avec une autre colonie qui n'était reliée à personne et qui avait elle aussi perdu tous ses soldats, mais n'avait n'était relié à aucune autre colonie, et bien on a vu qu'au fur et à mesure du temps, le nombre de soldats qui naissaient était plus faible que dans celles qui avaient peur de se faire attaquer. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu courte, mais bon, j'avais pas grand-chose à dire sur ce sujet. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux la soutenir en la commentant, en la likant, en la partageant sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications si tu t'abonnes. Et moi, je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Antel.